maintenant est considéré comme l'un des meilleurs rappeurs de sa génération et il est belge. À seulement 25 ans, Damso a déjà vendu plus de 200 000 albums en France où il est désormais. 2015, Nero Nemesis, genre dans le game en un seul couplet. Le 5, Bercy de cop, à cette époque on s'entend bien, y'a pas de clash ni de 10. 2016, j'ai la pression, mon ex attend famille, faut que je fasse du cash à vie. L'album n'est pas sorti que je stresse, si je foire c'est la défaite. Pas de moula pour mon gosse, pas de moula pour le reste. La première semaine craint, mais bon pour un début c'est bien. Premier jeu qui se plaint, première âge se plaigne, première tasse, viens taper du vice. Et bien ou quoi, ça fait longtemps fus, mais je suis pas dupe. Quand j'étais à la rue, y'avait son père à part mon zinc. Je me renferme sur moi-même, chaque jour 1h45 de marche pour aller au forum. Pas de cash pour les transports en commun, même 2€ c'est trop. 34 centimes sur le compte Fortis, pas de quoi faire des échos. Réflexion de la vie sur tout ce que je vais faire si je perce pas. Les études c'est pas pour moi, j'ai raté tellement de fois. Dans l'illégal j'ai 2-3 pistons. Premier braco mais je regrette, je vole aux honnêtes gens. Première avance, je rembourse mes dettes, j'invite 2-3 plans. Putain de merde, pourquoi je raconte ma vie? Parce qu'en vrai t'as la tienne, t'as tes problèmes aussi. Mais nique sa mère, faut bien que je crache ma haine. Donc je continue, Ipséité sort et je deviens trop connu. Selfie dans la rue, selfie de fan de fils de pute qui n'y croyait plus. Je vois que ça parle en bien mais c'est le début. Vite au pied d'une sort, mon ex mentor me clash. De l'encre à couler. Le Conseil des femmes francophones regrette la désignation du rappeur Damso pour composer la chanson des Diables Rouges pour le mondial en 2018. Et les textes du chanteur sont violents et sexistes, un mauvais signal pour la jeunesse. Son rire, c'était, moi je ne connais pas les cités, je veux dire, c'était vraiment quelque chose qui était francophone. Est-ce que les gens qui font une cité d'un sens ont des petites choses qu'on écrit? Il y a des gens qui pensent que c'est vraiment bon. En fait, ce texte va être compliqué. Parce que je vis des trucs vraiment compliqués. Donc je vais rapper lentement juste pour bien te l'expliquer. La vie de star est un milieu carcéral de luxe. Beaucoup de putes, de gens qui scrutent. Des moindres gestes pour les répéter de films. Pour se laver des bandits à tous leurs potes qu'ils étaient là quand ils étaient. C'est ça la célébrité. Plus j'avance dans mon rang social, et plus je recule dans ma vie sociale. Ma liberté est dans ma tête et mon portefeuille. Je ne sors plus jamais tout seul. J'ai le malheur de constater que je me suis fait menotter. Mon être est une société. Putain, c'est tout ce que je détestais. Et quand t'arrives au sommet, tu t'aperçois qu'en bas c'est juste un trou noir mais coloré. Turpitude morale honteuse, de moi je suis pas si fier. Sphère et mécontence déteste, c'est ça devenir ce qu'on veut être. Bien installé sans être bourgeois. Je vais louer ma vie sur terre pour acheter celle de l'au-delà. Comme chenille qui rêve de battre des ailes sans devenir papillon. Je dessinais ma vie en rose, raciste, la mise noire et blanche. Donc poule aux œufs d'or s'est envolé. Loin quelque part dans la folie. Et si un jour tu deviens fier de la haisse, fier de vieillir au texte, c'est toi de banlieue, veut dire lieu banni. Celui qui va devoir écrire une nouvelle ligne sur son Wikipédia. Hey.